Peggy 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. Ouverture de la porte. Parfait. Ah, qu'est-ce qu'elle veut, elle? Vous avez gardé les jumelles tactiques. Voilà, récupérer mes fameuses jumelles. Ah, ça va vraiment m'aider enfin pour pouvoir démasquer ou se cacher les ennemis. Mais bon, j'avais pas forcément une grande utilité parce que j'étais que de toute façon dans des endroits confinés. Donc maintenant, je suis en plein air. On va voir ce que ça va donner. La liberté. Ouais, c'est ça, la liberté. Mes fesses, ouais. La liberté, mais t'es fou. Bon, maintenant... Qu'est-ce que je peux faire? Attendez, je regarde vite fait. Oh bah tiens, vu que je suis dans une zone très dégagée, je vais essayer de tenter le sniper pour vous faire plaisir. Je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, je vais essayer de faire un test. Après, je vous garantis pas le succès ou qui sera positif ou négatif. Bon, fusil de précision, j'ai que celui-là. Enfin, j'ai pas les autres. Avec toi à côté. Oh mais il ressemble à un truc de ouf, hein. Par contre, hein, donc, je regarde où est-ce que je peux détecter les ennemis. On me dit pas qu'il y a un hélico, il y a la totale en fait. Non, pas que je l'ai tué. Maintenant, il y a un mec là, je vais essayer de tirer. Ouais, touché. En tout cas... Ouais, touché dans les fesses. Mais il est pas mort. Ouais, touché aussi. Ah, en fait, ça va, snipe. Hein. Faut juste prendre un petit peu son temps. Ouais. Oh, truc de ouf en pleine tête. Mais arrête d'abuser. Moi qui suis pas sniper, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas vrai. En tout cas, j'en ai foutu deux par terre. Ah, attendant. En fait, le sniper, faut prendre tout simplement son temps. Donc là, je voulais faire un petit peu le viseur, comme j'ai vu dans la bande annonce de Battlefield. C'est tirer en avance pour que la balle atterrisse dans leur tête. Mais non, ça va, la portée est quand même raisonnable. Donc, il m'en reste combien là? Il m'en reste deux que j'ai mis à terre. Ouais, j'ai remarqué qu'il y a une patrouille là-haut, donc tout simplement je vais me diriger doucement vers eux, j'ai pas envie de me faire opérer, on sait jamais, ça peut être très dangereux pour moi. Ah bah tiens, non mais garde ta grenade, garde. Oh, je l'ai abattu, mais avec combien de balles aussi? Imagine, j'arrive à faire un non-scope en dégommant les hélicos, tu vois le mec qui s'éclate. En tout cas, il y a un mec de la tour là. Non, il me tire d'où le type? Attends, ah d'accord, il est juste au côté là. Oh non, il s'est baissé au moment que je mets la balle. Mais comment tu fais aussi? Mais... Eh ou coucou. Eh, sors ta tête. Mais non, pas la grenade. Oh l'enfoiré. Mais non, tout ce que je voulais, c'était ta tête. C'était pas ta grenade. Coucou. Coucou, j'ai dit. Oh, c'était pas vrai. Coucou toi. Oh là là, eh mais... je me suis fait massacrer là. Donc espérons que j'ai pas beaucoup de trucs. Ouais, donc les gadgets c'est bon, je suis déjà bien équipé, donc ça va pas forcément me servir à grand chose. Donc on va tester un petit peu lance-patate. Non, plutôt on va reprendre une autre arme. Je vais prendre les jumelles pour détecter est-ce qu'il y a combien d'ennemis. Oh non, ils m'ont ramené une Jeep spéciale. Je vais essayer de dégommer le mec de la voiture. Normalement si je vois, bah tu vois, rien touché. Mais je sais pas si j'ai abattu par contre. C'est pas évident quand même, hein. Croyez-moi, hein. Ouais, en fait, le sniper ne passe pas. Pourquoi? Parce que j'ai un obstacle. Et c'est pas que c'est moi qui sais pas tirer, c'est que l'obstacle qui me gêne, en fait. La balle ne va pas plus loin, en fait. Il n'y a pas d'effet de balle. Donc, malheureusement, je peux rien y faire à partir de là. Regardez, même si je me place super bien, à part là, ouais, là, je suis bien placé, mais... Par contre, c'est moi qui sais plus tirer. Mais non, mais... Oh, la voiture, elle a pété. C'est trop fort. Voilà, la médaille d'argent. Elle a enfin apparu, les petites collines et tout. Il y a même la petite musique qui arrive, écoutez. Hoc A3, ça c'est des armes de ouf. Hein. Une petite balle en pleine tête. Le coin est nettoyé. D'accord. Bien reçu, frère, camarade. Y a rien là sur la tour. On sait jamais s'il y a des snipers dissimulés. Pour l'instant, ça reste assez calme. Bon, on va descendre parce que la musique elle est assez stressante là. Elle te dit vas-y, bouge. C'est ce qu'il faudrait qu'ils mettent pour les compères. Genre peux-tu quand putain la musique qui devient nerveuse. Bip. Comme là ils ont fait. Donc attendez. Il y a des ennemis, non? Pour l'instant c'est cool. Je vais voir dans les maisons. Comme s'il y a de la neige partout. Bah, c'est avancé ça. Ah, il n'y a pas des renseignements récoltés.
Normalement, il y a des plaques en fait que tu arraches, par exemple, dès que tu mets un coup de couteau, il y a ce genre de plaques à récupérer un petit peu partout sur la carte, et ça te donne en fait, c'est comme un secret en fait. Mais ne me demandez pas comment en faire, parce que je suis pas doué. Ils sont en train de m'acheter au lance-patate. Regardez les lance-patates, comment je les vois très près, mais ils sont fous. Merde, de jouer au lance-patate, je vais te signaler. Eh ben, je suis mort. Oh, les salauds. Ils jouent au lance-patate. Le truc qui est interdit, en fait, de jouer comme ça, c'est pas bien, de jouer au lance-grenade. Bon, bah, maintenant, je sais qu'ils jouent au lance-grenade, je vais faire pareil. Je vais prendre des précautions un petit peu. Voilà. Ouais, ennemi en approche, ouais. T'inquiète pas que je vais te le dégommer, ton ennemi. Hein. Lance-grenade, déguste tout ça. Non, 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 non. Ah non, 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 non. J'ai juste dit que j'allais être sage, promis. Attendez. Le camarade Popo fait derrière, ça c'est bon. Bon. Visiblement, j'ai l'impression qu'il marche par petite escouade. Donc, oh, lance-patate, comment il vole les lance-patates? Oh, les lance-grenades. Oh, le sniper en plus qui s'y met. Non, mais attendez, je vais mourir, moi. J'ai pas envie de décéder une deuxième fois. Et moi je fais. Bon, ça va, j'ai fait une petite élimination multiple. Je sais pas où j'ai tiré, mais ça fait pas mal de dégâts. L'hélicoptère, j'espère qu'il va pas me tomber dessus. En tout cas, je vais tirer dessus, moi. Ah, il y a un mec juste en bas, il y a des biens. Eh, faut les voir, les mecs, quand même, hein, parfois. Hein. Voilà, les co-ennemis russes, Kof. J'ai vu. Ramène une bouteille de vodka, on sera plus joyeux pour le dégommer, les co. En tout cas, moi, j'aime pas forcément ces positions. Pourquoi? Pour être franc, parce que vous avez des barils, en fait, qui peuvent tout simplement bah, vous gêner par la suite. Et eux, en fait, ils se gênent pas pour dégommer. Voilà pourquoi j'aime bien cette arme-là, c'est qu'elle est très puissante. En tout cas, elle tire pas derrière les barreaux. J'adore cette musique. Je crois que je vais l'adopter pour mes prochains gameplays. Je vais la mettre exclusivement dès que ça va camper. J'imagine la nouvelle variante pour éviter que ça campe. En tout cas, ils sont en train de me... Moi, je fais les ennemis, hein. Je vais pas dire, mais j'ai pas une tombée une deuxième fois. Hein. Donc, lui à terre, nickel. Non, mais attends, j'ai pas qu'il y a encore un sniper là-haut. Ah bah si, oh, faut le voir, lui. Hein. En plus, il y en a deux. Bon, les amis, allez, on vise bien ou pas? Bon, là, ça va être plus simple. Pourquoi faire... Pourquoi faire compliqué si tu peux faire simple? Tu mets un gros coup dans les tonneaux et l'autre, tu l'achèves. En fait, le sniper, ça me dérange pas de l'utiliser en solo, mais par contre, en multijoueur, je peux pas parce que les mecs, ils font que de courir. Et j'arrive pas franchement à jouer comme ça, là, comme vous avez pu voir les enchaînements, j'arrive pas. Ou peut-être c'est moi qui me suis pas trop penché sur la question, je vais pas vous mentir, hein, sniper, j'ai pas plus testé que ça. Oh, il y a des mecs de tous les côtés. Vite, ça craint là. Ça commence à devenir très, très dangereux comme position à tenir. Ouais, nickel. Ça se complique parfois. Hein. Ah tiens, il y en a un ici. Viens là, mon petit. Donc là, faut pas faire le kamikaze, faut pas sauter. Tout simplement, le mec, il va s'aventurer un peu plus loin. Il va se faire sauter la gueule. Non, il n'y a rien en fait. Je regarde un petit peu parce que des fois, peut-être qu'il y a des trucs dissimulés par-ci, par-là. Visiblement, je crois qu'on a battu tout le monde. Ah d'accord, il y en a encore. Tiens, dans les tonneaux plutôt. On a explosé quelques-uns. D'accord, et tu vas te détendre un peu toi. Je vous assure, cette arme-là est trop stable. Je crois que je vais même l'exploiter en ligne. Elle est bien, mais par contre, pour la recharger, tu fais que ça, quoi. Avec 30 balles. Donc là, je suis pratiquement pas loin de l'or. C'est pour ça que j'ai fait un petit star. Espérons que j'arriverai à l'obtenir. Comme ça, je pourrais débloquer pas mal de choses par la suite. Regardez combien il me reste. Hein. C'est pas vrai, il m'en reste vraiment pas beaucoup. Hein. Donc maintenant je suis dans cette cabine de télésiège là. Ouais. Ça sent pas bon ces endroits là, je les déteste. C'est pas. Eh, franchement c'est bien réalisé quand même, vous pouvez pas me dire le contraire. Hein. Bah, tu m'étonnes, c'est une vraie boîte de conserve. Bon, je me tais. Hein. Maintenant, il est sur l'USS. Ouais, ton mari, entre guillemets. C'est juste une couverture. Si Chang découvre où il se trouve, l'avenir de la Chine est menacé. J'en ai rien à foutre de la Chine. Tous ceux qui sont sur ce bateau sont menacés. On peut pas y faire grand-chose, mon ami.
Mais t'es qui, toi? Putain, mais c'est qui, ce... C'est un Ruskov qui a soif de vodka. Et là, je crois que c'est pas bon, là. Oh non, 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 dégomme-le vite, 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 faut que je le dégomme. C'est chaud de dégommer. Par contre, les dégommer comme ça en plein vol, c'est pas évident. Ouais, lui, en tout cas, il loupe pas, hein. Non, moi, est-ce que tu pouvais pas le dégommer? Peut-être que j'aurais pu, hein. Mais en tout cas, je suis pas doué. Ils sont en train de me tirer là-dessus. Ils vont faire tomber ma cabine. Oh non, c'est pas vrai. Ouais, tiens, tu vois, ils vont la faire tomber. En plus, elle va péter, je vais me péter encore la gueule. Ouais, j'adore l'effet. Bah, franchement, l'effet était cool, hein. Et ouais, d'accord. Bon, bah, on fait une petite descente improvisée. Ah, oh, ça va, ça descend pas. Bon, d'accord, lui, par contre, il a voltigé par-dessus le décor. Oh mon dieu, j'en ai marre de ce jeu. Il y a que des cascades, que des trucs bizarres qui me tombent sur la gueule. Oh, j'ai eu l'or. Je l'ai eu. Au moins, il est mort libre. Allez, on a encore un long chemin à faire. Ah, j'ai eu l'or. Je pensais que fallait encore... Bah, je l'avais pas, en fait, à quelques points près. Mais ça va, ils étaient gentils. Ils ont dit, bon, bah, Body, vu que t'as été sage, donc on va te faire un petit cadeau. Vérification des systèmes. Les ondes courtes fonctionnent. J'ai aussi la surveillance électronique et quelques récepteurs. Quand on approchera de Suez, essayez de joindre Ismailia par antenne directionnelle. Jusque-là, silence radio. Reçu, capitaine. Des nouvelles de Tombstone? Aucune. Et aucune trace de leur balise non plus, capitaine. Si on reste ensemble, on s'en sortira. Deux jours plus tard, que s'est-il passé? J'ai été congelé, j'ai rencontré un Yeti. Je sais pas. Putain de merde, ce truc! Tu veux que je conduise, Irish? Merci, Anna, ça ira. Je vais venir vous aider. On tiendra plus très longtemps sans vivre Nio. Surveillez nos arrières. Elle est loin, cette putain de base aérienne. T'es sûr que ça va aller? Laisse-moi prendre le volant. La dernière chose que je ferai, Anna. Pourquoi tu me fais pas confiance, Irish? Fous-moi la paix. Je te connais pas. Tu te bats pour qui, finalement? Tu sais quoi? Laisse tomber. Ah ouais? Dis toujours. J'ai présenté Gingy à mes parents, mes frères et sœurs, et à leurs enfants. Je voulais qu'ils aient des soucis. Le lendemain, de Chang ont débarqué et ont voulu leur faire. Ils sont tous moins vite. Wow. À mon tour de te dire que je savais. Hé, hey, Anna, je suis désolé, ok? Confiance à Scan. Oh merde! Coucou! Des Russes! Tu crois qu'ils nous ont vus? Si on ne bouge pas, on sera tranquille. C'est ça qu'on appelle tranquille. Il faut qu'on se parte ici. Ils sont beaucoup trop nombreux. Silence, Marine. Allez, on bouge, on y va. Chose sur les caméras. C'est bon, on a 3 minutes. C'est quoi ça? Un poste d'observation? Ouais, venez les mecs, on avance. Vous, rien qu'à vous voir, on sait que vous êtes un marine. 7e flotte, Tombstone. Ouais, t'es d'où? Brooklyn, East Flatbush. Tu donnes Wingate? GWH. Westinghouse? Sans bec. Mon frangin y est allé. Mon père a un resto à Brunsville. C'est qui ça? Riker, chef d'escouade. Elle bosse pour le renseignement chinois. Elle est fiable. Il nous faut quoi pour rejoindre la base? On sait rien. Un miracle. Je vous montre à quoi vous avez affaire. Les Russes sont partout. Ils ont pris la base aérienne au Serpillier dans la vieille ville. Il nous faut un transport vers l'ouest. Où est votre supérieur? Vous le trouverez dans la vieille ville, 1 kilomètre à l'est. Vous suivez le dôme bleu et vous cherchez le major Greenland. On peut pas la rater. Hé, hey, ouvre une connexion avec Greenland et mets-la au jeu. Bien, commandant. C'est le meilleur chemin? Affirmatif. Vous avez autre chose dans ce véhicule que les Russes doivent pas trouver?
Rien, sauf s'ils aiment la poussière. Hé, hey, Wrecker, le resto de mon vieux, c'est chez Molina, les meilleurs empanadas de la ville. Allez-y de ma part avec vos hommes. Bon, très bien, Marines. Allez, on fout le feu et on se barre. Il faut disparaître. Les meilleurs empanadas de la ville. Oh, putain, ce que j'ai faim. Et il reste du terrain à couvrir avant la vieille ville. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait plaisir. Bien sûr, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, tentez l'aventure, c'est gratuit, ça vous permettra d'avoir pas mal d'exclusivités sur des jeux vidéo que je suis en train de développer rien que pour vous. Et tout simplement, suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, les liens sont dans la description. Moi, je vous retrouve pour d'autres vidéos, à bientôt, prenez soin de vous.